sur une bonne prestation à Marseille, ce serait un peu bête de gâcher ça. Je dis pas que ça va pas être un match facile, au contraire, mais là on est à domicile et on doit faire le plein à domicile si on veut espérer jouer quelque chose de bien cette saison. On est quatrième au classement, donc c'est synonyme de place européenne. On sait que la saison est longue, mais justement, si on veut rester dans cette partie de tableau qui est quand même plus intéressante que la seconde et se battre pour le maintien. Et moi, je pense qu'on en a les qualités. Après, voilà, faut le démontrer et être régulier. Quand on joue contre des équipes contre Paris ou contre Marseille, on est capable de produire du bon jeu et de gagner. Donc, pourquoi pas contre les autres équipes soi-disant moins fortes, mais où les matchs sont aussi difficiles. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudra être concentré, parce que ça, c'est avant tout dans l'état d'esprit, quoi. C'est encore le début de saison, la saison est longue. Et c'est sûr que si on garde l'esprit de compétitivité qu'on a eu jusqu'à présent, et en étant plus régulier, parce que moi je garde en tête le match de Saint-Étienne ou des matchs comme à Nancy où on passe au travers et tout, et on pourra faire de belles choses. Donc c'est pour ça, mais on reste prudent parce que ça sert à rien de s'enflammer. Je bosse dur aux entraînements, j'ai la chance de pouvoir jouer tous les matchs, de me donner à fond et le rythme revient petit à petit. Et c'est vrai que la prestation de Marseille m'encourage à continuer comme ça, quoi. Et on a eu pas mal de boulot défensivement, donc je pense que ouais, c'était un de mes plus complets peut-être. J'avais pas fait grand-chose avant.